time when we heed a certain call, when the world must come together. Étudiant à l'Université de Gara, en faculté de droit et des sciences politiques carrière judiciaire. Je suis titulaire de la bourse Graine de sel Togo, organisée par nos frères aînés, titulaire de la bourse Fulbright, évoluant aux États-Unis, qui ont pris l'initiative d'aider leurs petits frères évoluant dans l'Université togolaise. GDS est en fait une institution noble qui a beaucoup contribué depuis que je suis retenu comme boursier et a fait beaucoup de bienfaits dans ma vie. GDS, en fait, a contribué à ma vie universitaire en prenant en charge mes frais d'inscription. Ce qui m'a permis tant soit peu d'apporter un soulagement à ma vie universitaire qui, j'ai dit longtemps, me causait assez de problèmes. Car il me faudrait non seulement chercher les frais d'inscription au moment où d'autres mes amis continuaient à suivre les cours, il me fallait aller dans les chantiers, aller faire des jobs pour pouvoir trouver de l'argent et venir m'inscrire afin d'embrasser l'année universitaire et de commencer par suivre les cours, photocopier les documents, ce qui me causait un énorme problème. Alors, GDS, en prenant en charge mes frais d'inscription, m'a allégé cette tâche qui n'était pas du tout facile pour moi dans ma vie. Alors, GDS étant une institution de bourse qui a pris l'initiative de m'aider dans ma scolarité, a non seulement apporté un plus à ma vie universitaire, mais également à ma vie sociale. Et vous pouvez me comprendre, vous qui me suivez actuellement à travers tout le monde entier, que GDS est pour moi, pour dire, un sauveur. Car si vous comprenez, quelqu'un qui prend l'initiative de t'aider, quelqu'un qui prend l'initiative de t'aider, en prenant en charge tes frais de scolarité, c'est vraiment beaucoup à remercier. Car ça m'a permis, en dehors de mes frais de scolarité, la somme que GDS a mis à ma disposition m'a permis d'acquérir les cours en temps opportun. Actuellement, je peux confirmer que tous les cours que nous avons déjà suivis au sein du campus, en faculté de droit et dans ma carrière judiciaire, je les ai déjà obtenus grâce aux moyens que GDS a mis à ma disposition. Et vous pouvez comprendre qu'une personne qui souffre n'a pas les moyens pour poursuivre ses études et que l'initiative noble telle que celle de GDS parvient, arrive pour le secourir, c'est vraiment un soulagement. C'est vraiment un soulagement. Alors, je tiens donc à remercier sincèrement GDS pour tous ses bienfaits et les encourage à faire encore de plus à ce que plus d'étudiants puissent être intégrés dans cette bourse pour bénéficier des mêmes avantages. Et à toutes les bonnes volontés, j'aimerais également les inviter très sincèrement à se joindre à GDS afin de nous aider, car nous avons sincèrement besoin de leur aide qui ne serait pas investie dans l'inutile, mais plutôt dans l'utile. Comprenez qu'une personne qui se lève avec qu'il veut te donner, il vient dans une ville universitaire où il n'a pas de maison où dormir pour aller à l'école. Il a des problèmes de loyer. Nous avons des problèmes de loyer, j'ai des problèmes de loyer. Et en dehors des problèmes de loyer, assez de problèmes. Le fait de prendre en charge ma location, mes frais de scolarité et tout ça là, ça agit sur mes études. Malgré mes... Et ça fait naître en moi de l'espoir. L'espoir que j'avais, la confiance que j'avais, le courage que j'avais pour aller à l'école. Ça m'amène ça me conduit à une déception. Car je me dis, avec cette absence de moyens pour acquérir les cours, pour prendre en charge mon loyer et mes frais universitaires, comment je pourrais m'en sortir? Une bourse comme celle-là, grain de sel, venait à mon aide. Je ne peux que l'accueillir favorablement et remercier les bienfaiteurs afin que Dieu bénisse leurs actes, afin qu'ils se perpétuent dans l'avenir. Et je peux encore dire que grain de sel m'a permis d'obtenir tant de cours.
ses bienfaits sont énormes. Je ne pourrais en finir de manger ces graines de sel. Et je prierai que d'autres personnes puissent se joindre à la graine de sel afin que leur initiative devienne grande, pour qu'elles puissent couvrir plus de nos besoins et pour que la bourse que Graine de Sel nous a proposée perpétue dans l'avenir, ça ne soit pas seulement pour une seule année, mais que ça nous amène à poursuivre nos études pour aller jusqu'au bout. Je réponds au nom de Takaro Matawa, étudiant à l'Université de Kara, en géographie, faculté des flèches, et en semestre 5-6. En effet, je suis bénéficiaire de la bourse Graine de Sel, qui est une initiative des boursiers Fulbright, actuellement étudiant dans les universités américaines. À la question de savoir quels sont les bienfaits de cette bourse dans ma vie, je m'en vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, en Afrique, pour étudier, il faut non seulement être intelligent, mais aussi avoir des moyens. J'ai vu mes soeurs et frères abandonner les études par faute de moyens. Et GDS m'a permis d'éviter ce désastre en prenant en charge ma scolarité cette année. Et cela m'a permis de créer un ouf de soulagement. Parce que ce que GDS a fait m'a permis de m'occuper mieux de mes études et d'éviter des détours pour trouver des moyens pour financer mes études. Dans cette dynamique, je dirais que la GDS a réalisé beaucoup de choses dans ma vie, sur le plan financier que moral. Sur le plan financier, la GDS m'a permis de me procurer des documents pour mes études. Parfois, il m'arrivait même de ne même pas photocopier mes cours par faute de moyens. Et depuis que j'ai eu cette bourse, je peux vous assurer, je peux affirmer sans embâche que je suis la cour comme il se doit. La GDS aussi m'a permis de faire beaucoup de choses, à savoir approfondir mes recherches sur l'internet, qui était pour moi une casse-tête. Au Togo, et précisément à Kara, l'accès à l'internet est très limité par les moyens. Et je peux vous assurer que la GDS m'a permis de réaliser tout ça. Mon déplacement était un problème sur le campus universitaire. Mais depuis que j'ai eu cette bourse, mon déplacement est rendu allégé. La GDS a contribué beaucoup pour moi. Comme Jean-Pierre Orfeu le disait, une aide, qu'elle soit petite ou grande, apporte quelque chose de plus dans la vie. Et ce que la GDS, la bourse Graine de Sel, a apporté dans ma vie, est très grandiose. On dit une graine de sel, qu'elle soit petite ou grande, apporte une saveur dans la sauce. Et l'œuvre de GDS, qu'elle soit petite ou grande, a apporté un plus. Ça, je peux l'assurer. Je dirais que sur le plan moral, le soutien des responsables de la GDS m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce que quand on regarde l'avenir des jeunes Togolais, des universités, on a un désespoir qui se lit dans nos faces. Ils m'ont soutenu par des messages, par des encouragements. Et je peux aujourd'hui dire que ça m'a permis de prendre conscience et de me mettre à l'œuvre. Car le travail est une chose qui récompense. Je continue en lançant un appel à toutes les bonnes volontés, à ceux qui veulent soutenir l'œuvre de GDS, de continuer à envoyer leur dons. Et que l'email GDS est toujours disponible sur le site www.gds.org. Ce que je peux dire à la GDS, c'est plus qu'un merci. Et pour ce qui est de l'an 2014, j'aimais un vœu que puisse l'œuvre de GDS révolutionner le monde. S'il y avait beaucoup d'initiatives comme ça, je pense que le monde allait de mieux en mieux. Venir à Kara pour étudier n'est pas chose facile. Et depuis que j'ai connu GDS, je peux dire que
je me retrouve étudiant et je sens que l'avenir me réserve quelque chose de mieux. Et tout ceci grâce à GDS. Et sincèrement, merci, et merci de mon père qui vient du fond de mon cœur. Je dirais que la GDS, c'est plus qu'une communauté, une fraternité. Parce que ils nous ont appris à avoir un esprit paternaliste, un esprit de bienveillance. Et ainsi, tous les boursiers sont devenus des amis, des frères et des soeurs. Par cette bourse, j'ai connu des juristes, des médecins, et tout ceci m'a permis d'élargir mon champ de connaissances. Tant de bienfaits de GDS que je ne pourrais dire. Tout ce que je sais, c'est que mes frères et soeurs, je vous invite au travail et à soutenir l'œuvre de GDS. Aujourd'hui, je suis boursier, demain, ça serait votre tour. Et c'est par le travail que je suis parvenu à ce stade. Alors, mes frères et sœurs, mettez-vous au travail, sincèrement. Je me nomme Peso, sous le prénom. Donc, je suis étudiant à l'Université de Caen, en faculté de droit, option droit public, semestre 5-6. Les frères, les amis, Nakao et Tatoa, c'est des amis que je connais très bien. Je connais leur situation, ce qu'ils ont enduré depuis qu'ils ont obtenu leur bac. Effectivement, ils se débrouillent, ils n'ont pas d'aide, leurs parents ou bien leurs proches n'arrivaient pas à les soutenir. Donc toute leur scolarité devrait revenir à leur charge. Il fallait qu'ils fassent des efforts par-ci par-là, trouver certains jobs avant de pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout et surtout pouvoir soutenir leurs études. Comprenez? Donc depuis le moment où ils ont eu la bourse de GDS, je pense que leur vie a changé. Maintenant, ils peuvent suivre librement les cours. Ils sont à l'heure, d'ailleurs. Chaque jour, ils sont à l'université, ils font des recherches. Ils peuvent aller à la bibliothèque, ils peuvent aller au cyber. Ce sont des atouts pour eux. Ils ont le temps pour étudier. J'espère qu'avec cette bourse, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Et on peut espérer un bon résultat à la fin de l'année. J'encourage l'initiative de GDS. Vraiment. Et si d'autres organisations peuvent suivre leur pas, je pense que ça pourra aider d'autres jeunes qui sont dans les mêmes situations et réaliser leurs rêves. À la somme qu'ils ont mis à notre disposition, ça m'a aidé beaucoup. Parce qu'avant, là, il fallait aller faire des jobs ou bien autre chose, au moment où les amis suivent les cours, bien rater des cours pour après tous les photocopiers, tu vois. Ça fait beaucoup ma scolarité. Donc, moi, je pense que. Et toi, comment? Quant à moi, je te dis, ça m'a permis d'être très fréquent à l'école. Maintenant, je prends rapidement le bus et ça me permet de me restaurer. Des fois, toi-même, tu sais que des fois, je reste affamé. Donc, ça m'a permis de régler cette situation. Sincèrement, la GDS m'a sauvé, c'est pareil. Je te dis que ça n'a pas été facile. Ouais, c'est ça. Surtout régler les frais de scolarité et après obtenir les cours. Chaque semaine, il faut photocopier les cours. Tu te rends compte, après, tu as le droit.
on a des coûts. Chaque semaine, il faut vous parler au moins 5 000 francs. Avec le déplacement, tout ça, là, la consommation, il faut à la maison préparer, manger. Tout ça, le loyer, c'était, tout ça, là, c'était à ma charge. Oh. Tu vois, moi, vraiment, j'ai été très réjoui quand j'ai été sélectionné par GDS pour être boursier, franchement. Parce que je ne m'attendais pas. Tu vois, même la première année, même, je n'ai même pas eu d'aide universitaire. Je n'avais pas eu d'aide universitaire. Et tout ça a été revenu à ma charge. Wow. Il fallait batailler d'ici par là, aller aider les gens de gauche à droite pour pouvoir même trouver un manger. Mais ça n'a pas été facile. Et moi, je pense que GDS, vraiment, avec ce qui a déjà commencé, je pense que ce qui viendra même contribuera franchement à résoudre tous les problèmes. Tu vois, non? Maintenant, je peux me féliciter de commencer par étudier convenablement. Comme il se doit. Parce que je sais que, au lieu d'aller chercher encore de l'argent pour foutre copier les cours et autres, actuellement, l'argent que GDS a mis, la bourse que GDS a mis à ma disposition, ça peut me servir malheureusement. Avant la bourse GDS, on ne se connaissait même pas. On se connaissait où? Ça a permis de nous connaître. Oui, franchement. La GDS, c'est une grande fierté. Je te dis, GDS nous a permis de nous relier, de nous connaître, non, et de nous encourager, franchement. Oui, ça même causé. Donc GDS, c'est d'abord quelque chose qui nous a réuni, quoi. Voilà. Ils ont permis même de prendre contact avec nos frères même, qu'on ne connaissait même pas. Ouais. Est-ce que tu savais, Jules, que tu as des frères aux États-Unis? Non, je ne savais pas. Donc, c'est ça. C'est très intéressant aujourd'hui de prendre contact avec nos frères. Ça, c'est une grande joie. Okay. De prendre contact avec nos frères. Évoluer aux États-Unis. Ouais. Pourquoi pas? Ça veut dire vraiment qu'ils pensent aussi à nous. Et que avec ça, tu sais, nous devons vraiment nous mettre à l'œuvre pour pouvoir les encourager, pour leur montrer que leurs sacrifices ne sont pas vains. Voilà. Est-ce que tu vois? Ouais. Nous devons beaucoup faire des efforts, franchement. Ça. Cette année, moi, je me suis fixé des objectifs qui sont valider tout et quitter l'université de Canada. Voilà. Donc, grâce à GDS, je pense que je peux atteindre ce temps. Moi, pareillement, j'ai envie de valider tout, mais non seulement de valider tout, de valider avec de bonnes notes. Okay, parce que tu vois, on peut quand même valider tout, mais avec des notes 10. Non, ouais, ça ne va pas. Tu vois, ce n'est pas intéressant, ça ne peut pas nous permettre d'avoir une bourse peut-être pour continuer à l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais seulement si certaines personnes ou bien GDS pouvaient prendre encore à charge nos études jusqu'à peut-être même le master, tu vois. Ça serait très, très bon. Très intéressant. Ah bon, comme c'est leur première initiative. Comme aussi c'est l'initiative, comme nous, on ne peut rien. On espère on suppose que d'autres pourraient s'associer avec pour que le gâteau soit grand, afin qu'ils puissent nous le partager ou bien. Personne ne pourrait. À la bourse grande de Saint-Togo. Vive la bourse grande de Saint-Togo. Vive les étudiants de l'Université du Togo. Ok. We are the champions. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. So we all must lend a helping hand.